vous la retrouvez sur sa chaîne. Donc c'est Farah's World. C'est ça. Ok. Là où il y a les questions-réponses sur le tissage sans tresse. J'ai filmé la technique pour une fois. Une fois n'est pas coutume, hein, attention. J'ai filmé la technique, donc du début à la fin, le pendant, le avant, le après. Le beach vibe aussi. Alors je sais pas si je le mettrai dans la vidéo, on verra. Et puis voilà, si vous voulez regarder le beau résultat, allonge ton bras. Grave. Donc c'est parti. Moi j'aime bien faire un U pour que ça se fonde avec les cheveux. Les coupes droites c'est pas trop idéal pour les extensions, c'est pas très joli. Mais les V non plus c'est pas beau parce que ça fait une queue un peu fine au milieu. Mais les U ça permet de flouter et d'être plus joli. On fait ça? Oui, parfait. Alors autre chose, moi devant j'aime bien voilà, dégrader. Comme tu as la chance d'avoir des longs cheveux, bah, du coup ça se fond déjà bien. Okay. Mais je vais reprendre vite fait pour que ce soit clean. Mais quand on a les cheveux courts, c'est vraiment important de faire un joli dégradé pour que ce soit fondu, qu'on n'ait pas cheveux courts là et là. Voilà, donc comme je t'expliquais tout à l'heure, des fois j'aime bien donc dégrader un petit peu dans les mèches pour faire plusieurs longueurs. Mais bon, pour toi, j'ai même pas besoin de défiler tes pointes à toi parce qu'il n'y a pas de démarcation. Peut-être qu'en vidéo vous avez l'impression que ça va voir, mais non, très très peu. On n'a pas de barre et puis finalement, comme tu as des longs cheveux et qu'il n'y a pas trop un grand delta, ça se fond bien. Mais bon, je pense pas que tu veuilles faire un dégradé. Non, tu me dis. Moi, j'aime beaucoup ce. Voilà. À part si on fait un dégradé, ça risque d'affiner un peu au niveau des pointes. Thank you.
quand c'est beau lisse, c'est encore plus joli, bouclé, ondulé. Moi, je trouve qu'on cache encore plus les choses, enfin, les cheveux, la démarcation, etc. Yes. Là, vu qu'on a monté bien devant, il n'y a pas de souci, ça se voit pas. Tu veux essayer d'attacher en sachant que c'est tout nouveau, donc ça reste rigide. Bon, que basse, c'est très facile. Hein, voilà. Donc je répète, ça reste encore un peu rigide parce que c'est neuf. Mais bien sûr, avec les lavages, avec le temps, ça va descendre un peu, ça va s'assouplir. Ça sera confortable. En plus, on avait quand même pas mal de lignes épaisses, exceptionnellement par rapport aux mèches. Comme ça, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est mis sur le côté avec. On va tout mettre ça. Je te raconte même pas ce qu'on voit sur le... Yes. Oh, ça change, j'ai jamais fait beaucoup comme ça. C'est beau, hein? Oui, ça donne du volume, ça fait un effet à la fois glamour et naturel. Ouais. Oh là là, je te raconte pas. Hein. Ouais, je ne te raconte pas. Monte, mets tes cheveux derrière. Yes, oh purée. Don't you wish you got a Nickel chez Zinger et compagnie.
Samel. Non, je déconne, ça fait une sœur. Tu vois ça là, c'est fini. Over. Tu connais la taninothérapie? Moi non plus. Vous voyez ça là? C'est fini. Aujourd'hui, sage. Tu verras.